Je m'appelle Mérinda Cordon. Je viens de me marier et de divorcer. J'ai emménagé dans un trou paumé où j'ai ouvert une boutique de babioles inutiles. Je pourrais être comme vous, mais je suis bien meilleure. J'ai découvert que je peux entrer en contact avec les morts, les esprits errants, comme disait mon derrière. Les gens sont emmerdés par des revenants et viennent me faire chier pour que je les aide. Pour vous raconter mon histoire, je dois d'abord apprendre à lire. Excusez-moi, c'est combien, mademoiselle? J'en sais rien, 100 euros! Quoi? C'est une arnaque! Ouais, au revoir, ouais! C'est fermé! Ouais, j'entends rien, revenez demain, je fais mes comptes! Mademoiselle Cordon, vous auriez 5 minutes? Ça ne m'intéresse pas! Mais je vais rien vous vendre! C'est par rapport à votre don! Tranquille! Non, mais c'est important! Ophiel! Ophiel! Mademoiselle Cordon? Vous n'auriez réellement pas pu attendre demain. Merci de m'accueillir chez vous. En même temps, tu ne m'as pas laissé le choix, connard. Cet abruti m'expliqua que sa copine était fraîchement morte. Et que depuis chaque nuit, des choses étranges se produisent. Il venait donc me demander mon aide. Demain, venez à ma boutique. Maintenant, dehors! Mais j'ai pas fini ma tisane! Je vous l'apporterai à la boutique demain. Allez, maintenant dehors! Vous n'avez pas un micro-ondes? Revenons-en plutôt à votre histoire. Comment est morte votre amie? C'est une pote banale! Elle s'est cassée un ongle! Et c'est comme ça qu'elle est morte? Non, non. Après, on lui a tiré dessus. Alors, vous pouvez m'aider? Je pense que c'est son fantôme qui revient à vous hanter. Pourquoi? Peut-être qu'il lui manque quelque chose. Emmenez-moi sur les lieux de l'accident. Mais votre boutique! J'ai une esclave, vous savez. D'ailleurs, ramène ton gros cul par ici! C'est ici qu'a eu lieu le meurtre. Comment vous le savez? Je la sens. Aidez-moi à trouver ce fameux ongle. C'est bon, je l'ai trouvé. Vous avez retrouvé mon ongle? Mais qu'est-ce qui se passe? Chut,
Je suis en communication. Allô? C'est ce qu'il me manquait pour trouver le repos. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les phares d'une voiture. Mais vous ne voyez pas la lumière? Ça doit être autre chose qui vous retient ici. Comme ceci? Ah oui, j'ai toujours détesté les déchets. J'ai toujours voulu des rues propres. Je vois la lumière. Elle est ici? Dites à mon amie que je l'aimais. Elle tenait beaucoup à vous. Il restera toujours dans mon cœur. Vous dites pas, j'ai beaucoup de chou-fleurs. Allez où? Allez vers la lumière. Mais c'est trop cool d'être un fantôme. Je reste. Mais non, c'est la prochaine étape! Vous devez y aller! Vous ne me faites pas peur avec votre caractère. Il n'est pas moche en plus. Pas dans la lumière, je te dis! Je vous envoie la facture? Mais on est associés! Je suis en informatique!